Bonsoir à toutes et à tous, je fais une vidéo sur le complet découvert sur Call of Duty Vanguard de la version bêta. On va jouer à un mode qui m'a beaucoup plu, c'est Champion de la Colline. En fait, on va être à 3 contre 3, plusieurs équipes de 3, et on va se battre. Et plus on va mourir, plus on va perdre de points sur un laps de temps. Et en fait, avec la différence de points qu'on a avec l'équipe adverse, on va perdre. Et après, on va passer à une poule suivante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui ait des points, et du coup, il y aura un top 1. Donc, pourquoi je fais une vidéo sur la bêta? Parce qu'en fait, je ne l'achèterai pas, tout simplement, cette année, le jeu. Il me plaît pas, Call of Duty m'avait pas plu, donc ce jeu ne me plaît pas non plus. Bienvenue dans Champion de la Colline. Donc je rappelle le concept d'une vidéo 100% découverte, Votre équipe, c'est encore un une top vidéo 10. sans cut, un seul Vous rush, perdez toutes vos pour vous vies, vous montrer serez éliminé. La l'intégralité du dernière équipe gameplay. encore debout l'emporte. Voilà, vous voyez. Prenez de l'équipement aux stations de Donc là, ravitaillement. le mode de jeu, Éliminez les adversaires pour on va gagner plus choisir un d'argent. peu. Vous pouvez aussi ramasser de On va l'argent prendre en ça. enfer. Mais je voulais juste au moins faire une vidéo quoi pour dire au moins que je l'ai testé. Donc là, alors que je fais la vidéo, j'ai fait deux parties tout simplement. Hein. Là, c'est ma troisième, donc je suis pas un expert. De toute façon, j'ai jamais été un expert de Call of. Mais bon, je trouve beaucoup trop arcade le jeu en fait. Enfin, et puis c'est un peu du recyclé, je trouve. Pas à l'époque, hein, la Seconde Guerre mondiale. Commence dans 10 Les jeux secondes. sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai toujours bien aimé. Beaucoup trop arcade en fait, et plus on avance dans les Call of, plus c'est arcade. Et ça, c'est. Voilà, donc là, on est plusieurs équipes. Donc là, on est équipe avec que des niveaux 1, donc on va se faire peut-être éclater la gueule. Et on va jouer. Il faut tuer le maximum de trucs, de joueurs et pas mourir. Bienvenue dans Donc en fait, Champion on de la peut très bien Colline. se faire éliminer en Éliminez 2 toutes les minutes. équipes pour l'emporter. Donc là, 2 à gauche. Je vais éclater. Donc c'est camp ou compagnie, hein, ça change pas. Je sais pas que ça spawn. Reprenez le combat. Douce revanche. Ah mais putain derrière, ouais mais les spawns sont nuls à chier. Les spawns sont nuls à chier. Il vous reste moins de 15 vies. Bien, prenez Voilà. leur vie. Donc là on a fait 6 kills, on est mort 5 fois, donc ça nous fait 1 point en plus. Enfin non, ça nous fait du coup on en perd 5. Et là Nouvelle ceux qui à partie, qui contre nouvelle qui on équipe, joue. nouvelles opportunités. Ils ont 12, voilà. Un peu pour se soigner. Oh. Au niveau des bruits, on entend personne. Oh putain! Égalité, 5 à 5. Donc, on est deuxième pour l'instant, c'est cool, c'est serré, les premiers ont 11. Putain, j'ai ramassé le jeton d'une vie supplémentaire. Ça commence mal. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. Il est marrant, lui faites attention, il reste moins de 10 vies. Ouais, c'est vrai que d'un côté, il faut pas non plus courir comme un HBEB. Mais bon, il y en a qui font encore des galipettes. J'aime pas avoir des dettes. Les gars, ils sont encore là, à mon avis. Moi, bon, ils m'entendent pas.
Vous avez 10 secondes. L'ennemi a pris vos vies. Ah, voilà, donc ils ont pris une vie. Il nous en reste 6. On est toujours deuxième. On est égalité avec les premiers, donc c'est pas mal. Ravitaillement bonus. Donc là, en fait, on va pouvoir acheter de nouvelles armes ou pas. Il nous reste. Ah non, le bar, ne prenez jamais le bar. Mon dieu. Oh, quelle merde que c'est. Vas-y, un espion. Par contre, je sais pas comment on met les plus que 10 secondes. Tenez bon. Les plaques, aucune idée. Aucune idée pour les plaques. On va essayer d'y aller. On va essayer de faire un top 1, ce serait bien pour la vidéo. Ou pas. Ok, ils ont plus de vie les mecs hein. Donc les 6, il me semble bien. Ok. Normalement on a gagné hein, ils ont pas le droit de respawn donc. Mais pareil, je sais pas du tout comment. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. J'ai brisé leur protection. Ah non, d'accord, ok. Ok, ok. D'accord, ok. L'équipe Fox a été supprimée. Il ne reste plus que 6 équipes. Vous avez 10 secondes. Plus que 2 vies. Faites attention. L'ennemi a pris vos vies. Ok, donc du coup, là, ils ont réussi à s'en tirer. Deux équipes qui se sont disparues. Et là, du coup, on va jouer contre les premiers. On va se faire éclater. Il ne reste que 2 vies. On est dans la moire, la moire, la moire. Oui, ils sont bons, on a vu les mecs en face. C'est votre dernière vie, ne la gâchez pas. Ils ont un bar, le mec il a réussi à temps. Ah, je suis curieux de voir ce qu'il a fait, le mec. Ah, chelou. On n'a pas joué au même bar alors. L'équipe Easy a été liquidée. Comment ils arrivent à être dans deux spawns différents à l'opposé quoi. On a perdu. Il reste 4 équipes. En tout cas voilà, c'est juste une petite vidéo sur Vanguard que je voulais faire. Rien de transcendant, c'est un mode sympa, mais bon ça reste encore très arcade, trop arcade. Les maps auraient été 3 fois plus grandes, ça aurait été plus intéressant. Mais là ça l'est pas du tout. On peut se mettre en spectateur et genre on est en. Un peu, d'accord, ok. Bon, enlève-moi le. Ah, ils ont le ravitaillement. C'est cool. Bon, voilà. Juste voulu faire une vidéo Vanguard histoire de dire que j'ai testé, que j'ai pour vous montrer un peu le jeu, etc. Je suis pas catégorique, je suis plutôt objectif, mais le problème c'est que le jeu me plaît pas en fait. Beaucoup trop arcade, vraiment trop arcade. Donc ça demande pas vraiment de skill. Désolé pour le chien qui gueule, je vais m'en occuper après. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Pouce bleu, commentaire, abonnez-vous et surtout à une prochaine. Ciao, Banzai!